Ça, c'est la magie de Joy for the Planet. J'avais garé mon bus sur la baie d'Arcachon pour y passer la nuit, dans le joli port d'ostriculteurs à Arès, quand au cours d'une balade aux aurores avec mon chien Ulysse, j'ai rencontré un monsieur qui ramassait des tonnes de coquilles d'huîtres. Dans le temps, les grands-parents, les ostriculteurs, qui étaient ostriculteurs, mettaient toutes leurs coquilles d'huîtres dans ces trous, comme c'est du calcaire une fois écrasé, et ça tient très très bien. Et moi, je m'en sers pour refaire mon chemin en forêt. Et derrière la coquille, j'ai trouvé la perle. Un aventurier. Oui, un vrai de vrai. Un aventurier qui a un rêve et qui va le réaliser. A passé 70 ans. Depuis son enfance, il est habité par la phrase du navigateur Alain Bombard qui avait écrit dans « Naufragé volontaire » qu'une barrique mise à l'eau aux Canaries met 3 mois pour arriver aux Caraïbes. Le challenge est là et Jean-Jacques Savin est prêt à relever le défi dans un tonneau en aluminium de 2 par 3 mètres, sans propulsion, uniquement à l'aide des vents et des courants favorables lors des alizés. Pas mal de gens traversent l'Atlantique à la voile, à la rame, en cerf-volant, ça a été même fait à la nage, en pédalo, en canoë, mais personne ne l'a fait comme un bouchon de ligne d'un pêcheur à la ligne, de par les courants et les vents. Quand j'aurai besoin d'aller pêcher, d'abord j'ai un hublot sous-marin pour être sûr que je ne dois pas me retrouver face à mettons, un requin marteau. Et là, j'ai des mains courantes sur lesquelles je pourrais installer mon panneau solaire ou bien je pour descendre ou comme ça je peux me mettre à l'eau et remonter facilement. Le budget est de 60 000 euros et donc je compte partir avec les alizés favorables fin décembre 2018. Je suis en recherche d'un laboratoire qui veut bien prendre en compte l'état comportemental d'un individu dans une capsule, milieu restreint, tout le temps en mouvement, en déplacement lent, pendant une longue durée. La cabane du pêcheur. Ah, la cabane du pêcheur de Francis Cabrel. D'accord, excellent. Welcome. À plusieurs reprises, j'ai fui l'école pour aller me réfugier dans les dunes, dans les bois. Et là, j'étais dans mon élément. Et je suis parti vivre 5 mois et demi au milieu des Pygmées. Toute ma vie a été une aventure. Aussi bien professionnel, ça s'est très bien passé, très très bien passé. J'étais militaire, j'étais pilote privé, j'étais chercheur d'or, j'étais conservateur d'un parc national en Afrique. Et Jean-Jacques a toutes les chances de gagner son pari. Ce sportif de haut niveau, ancien parachutiste et navigateur confirmé, a déjà relevé de nombreux défis, dont 2e au championnat d'Europe et 7e au championnat du monde de triathlon. Et Jean-Jacques aime aussi faire de la musique, avec sa guitare ou sa batterie. Écoutez donc plutôt cette improvisation fortuite avec ma passagère pour quelques jours, Marie Mélioret. Il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie, dans le ciel par-dessus les toits, il y a de la joie, et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie, partout il y a de la joie, tous les jours, mon cœur bat, la vie de chancelle, c'est l'amour. Traverser l'océan dans une barrique, avec les alizés et les courants marins comme gouvernail et propulseur, ce rêve du petit Jean-Jacques va-t-il consacrer l'adulte? Pour le savoir, il n'y a plus qu'à se jeter à l'eau.